Si tu laisses pas faire mon intro, ça le bâtard déjà. Non. Oh, ça bifle. Oh merde, c'est vrai qu'il fallait pas dire ça. Oui, salam, alaykoum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre univers se porte bien aujourd'hui. Toute nouvelle vidéo, on n'est pas tout seul avec Kenny. Non, c'est toi. Salut. Aujourd'hui, les professeurs, vidéo très importante où on va essayer de rendre ce mec super musclé. Bah, je suis déjà presque. Hein. C'est vrai qu'il est déjà presque musclé. Pouloulou, même mes poils, ils ont des abdos. C'est vrai. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude. Surtout, si vous revoulez de temps en temps des vidéos à base de gaming, n'hésitez vraiment pas à m'éclater la barre des likes. Aujourd'hui, comme j'ai vu que Kenny avait un corps d'athlète, je me suis dit que c'est un jeu que j'avais fait à l'époque sur ma chaîne. Parce qu'il faut savoir que moi aussi j'avais un corps d'athlète. Ouh. Et forcément, étant donné que j'ai un corps d'athlète, je me suis dit, je vais faire ce jeu. Et étant donné que je considère que Kenny a également un corps d'athlète, je me suis dit, alors il doit faire ce jeu. C'est alors vrai. Ce jeu consiste, Kenny, en quelques jours, à devenir musclé. Oh, ça devrait le faire. Mais il y a des choses à faire dans ce jeu. Tout d'abord, vas-y, lance. En plus, il lui ressemble. Grandes oreilles, petits coups. Il a juste les cheveux noirs, c'est tout. Yeah! Oh yeah, babe. Vas-y. Déjà, avant c'est parti. Dehors. Là, déjà, comme tu peux voir à droite, en haut à droite, on est déjà le premier jour. Alors vas-y, là déjà, tu vas te changer, mais t'as pas d'habit. Se changer, faut être beau gosse pour faire de la muscu. Il faut des bons vêtements qui absorbent la transpiration. Donc déjà, il faut montrer qu'on a un beau zizi, qu'on a de les formes. Et faut montrer qu'on a des pecs. C'est déjà, il faut se croire musclé quand on n'est pas musclé. Là, je vais prendre la voiture pour sortir quelque part. Donc, le plus important, c'est d'aller faire les courses pour être beau gosse. Toujours être beau gosse quand on fait la muscu. Non, mais attends, il faut d'abord aller faire de la muscu. Quand on est bien physiquement dans sa tête, on a plus d'énergie moralement pour faire de la muscu. Si vous êtes déprimé, vous allez être vite fatigué. On va aller au clothing shop. On va acheter des bottoms. C'est-à-dire pantalon. Oh, on va mettre un petit truc toujours avec le petit zizi qui dépasse. Oh, beau gosse, yeah. Je vais être musclé en look. Hein. Ouais, on va mettre ça. Une tête de mort. Pour se rappeler qu'il y a toujours un malheur qui peut arriver. J'ai plus d'argent. Dommage. T'es déjà ruiné. Je suis déjà pauvre. Ouais. Alors, on va aller à la muscu. Là, tu vas faire quoi? 1 heure, 2 heures ou 3 heures de muscu? 1 heure. Ah, mais j'ai pas d'argent. Ah, tu pourrais faire, t'as pas d'argent. Va bosser. Oh putain, j'ai pas envie de travailler. Work. C'est quoi mon métier? Ah, je suis constructeur, Zerma, j'ai pas de muscles. Voilà. Voilà, là, ça construit. Mais pas se dépêcher. Oh. Go faire la muscu. Oh, puis non, on va faire du looking. T'as pas marre de faire du looking? Tu sais que le but, c'est de se muscler? Après, viens, on va voir. J'ai vu une petite danseuse là-bas. 3 heures. Ah, moi, je veux le voir faire des pecs. Ouais, mais frère, attends, regarde. Vas-y, monte. Regarde. Bonjour, la chic. Là, t'as plus d'énergie et puis t'as pris du muscle un peu. Ah, tu peux aller faire de la muscu encore. Yeah, on va faire de la muscu, bébé. On va faire 1 heure. Après, on va aller travailler un petit peu. Ils sont tes muscles? Ils sont toujours pas là. Montre-nous si ça s'est amélioré. On voit que ça s'est amélioré quand même. T'as le frigo si tu veux. Oh, mais je préfère qu'il dorme, nique sa mère s'il meurt de faim. Là, t'es le deuxième jour déjà. Allez, go. Voilà, vas-y, muscle-toi, allez. Ah, vas-y, montre-nous. Vas-y, allez, 3 heures. Ça, c'est un bras, ça. Ah, bah, tape 5. T'inquiète pas, mon gars. Toi, t'es un bosseur, toi. Il te reste 10 euros, frère. Ah, ah, tu commences. Tu vois, quand tu vas prendre le premier carré, déjà, ça va être bien. Va bosser, voilà, va bosser. Comme ça, si tu vas aller en boîte de nuit. Tu travailles combien de temps? 3 heures, je crois. Putain, il travaille trop. Oh, oh. Travaille plus. Tu vois que ça rapporte de travailler. Oh, il est mort. Oh, le bâtard, il est parti dormir. Vas-y, je mange un ulti meal. Vas-y. Quoi, j'ai payé pour manger? Gros, t'as dormi. Ça sert à rien de manger. Allez, Kenny, allez. Montre-nous que t'as du muscle. T'inquiète allez. Pas, moi. Allez, bordel. Je vais y arriver. Ouais, bon, pour l'instant, je te le dis, hein, t'as plus de style que de muscle. Hein. Mais il veut pas gagner. Vas-y, on y va qu'une heure, comme ça, on peut aller à la boîte quand ça ouvre. Mais non, mais c'est pas maintenant la boîte, ça ouvre à 10h. Merde. On va faire quoi, tu penses? Work? Non, on va faire de la muscu. Merde. Bon, c'est pas grave, ça te fera de l'argent. Pour l'instant, ton personnage, c'est un fragile. Là, normalement, tu vas prendre du muscle. Oh, c'est un monstre. Normalement, la prochaine, tu prends vraiment. Il veut pas de muscle, connard. Tu sais, regarde. Oh, vas-y, mange. Non, mais faut pas que tu redormes, gros. Hein, parce que toi, à chaque fois, tu redors à la... Non, je fais manger. Non, mais parce que tu redors, tu sais, tu t'endors pendant quelle heure, toi?
tu t'endors pendant la boîte de nuit, gros. Il est 6h. Tu vas faire de la muscu, 3h. Et 6 plus 3, ça fait combien? 9. Exactement. Donc forcément, si tu fais 3, 6 plus 3, ça fait 10. Bah non. Non. 11. 6 plus 3. 9. Donc, ça sera pile poil pour aller à la boîte de nuit. Vas-y, refais une heure, fais une heure, pile poil. Oh yeah! En plus, t'as du muscle, Kenny! On peut y aller! Ça rigole plus, yes! Allez, vas-y, montre-nous ce que tu vas faire, Kenny, là. 60, là je mets plus cher. Donc, on pourra mettre que c'est ta première fois. Hein. C'est ta première fois en boîte de nuit. Ouais. Allez. Vas-y, on s'en fout, ramène des meufs. Oh yeah, bébé, c'est bon. En fait, y'a tellement aucune meuf qui est rentrée avec toi chez toi que tu t'es touché devant un écran de télé. Ah, c'est ça? Oui. Putain, les bâtards. Putain, ils nous ont niqué, les enfants. Genre, en fait, les gars, il faut savoir que Kenny, sur le jeu, il a tellement pas plu aux meufs qu'il est rentré tout seul avec sa main droite, en fait. Putain, c'est mon enculé. Oh, putain, gros, t'es déjà le 8ème jour. 300, j'ai une promotion. Wow, 350 000, mon gars. T'as fait quoi avec ton patron? Sa mère. T'as fait quoi avec ton patron, mon gars? Là, tu vas faire péter le champagne et tout, là. Là, tu vas faire péter le champagne et tout, mon Kenny, là. Oh, je vais plutôt péter des... Des champagnes. Bref, des... On va jouer au bowling, alors je vais péter des boules. Comme ça, j'ai pu dire tout tranquille ce que je voulais dire. Oh yeah. J'en peux plus de ça, mec. Dites à vos mamans que vous voulez aller au bowling et que vous voulez péter des boules. Star, oh voilà yeah. Ce que tu tapais, frère. Oh yeah, moi j'aime bien, moi. Oh yeah. Allez. Oh, j'ai plus d'argent. Faire quoi, du coup? Dodo? Ouais. Écoutez les abonnés, on a 12 jours normalement. On défie les abonnés à essayer de faire mieux que toi et à essayer de pécho mieux que toi et à nous envoyer la photo sur Twitter. Vas-y. Alors le jeu c'est Douche Bag Life. Là je vais où? Là bah... Là j'attends. Yes. Eh mais 500, tu dois te régaler hein, 500. Pire. Il a le corps d'extraterrestre ce mec, c'est un truc de fou. Derrière ta yes, on a encore pécho la grosse. Allez muscu, on a plus le temps là. Là c'est fini mon gars. T'inquiète, rien n'est jamais fini. Vas-y, monte, t'as fait la barre. Yeah man. Ouh, là t'es un peu trop par contre, je trouve. Tu vois là c'est trop. Moi ce que je te conseille gros c'est qu'avec l'argent, cette fois-ci au lieu d'être musclé, t'as plus besoin. T'es là, bien en muscle. Beau gosse. Tu te mets beau gosse, belle coiffure, belle lunette, belle sape mon pote. Mais c'est quoi ça? Tuner de car, on peut faire la voiture. Ouais, tu peux tuner ta voiture. Et là à partir de là en fait tu peux tuner ta caisse, regarde, ouais, garage. On va faire la caisse hein. Parce que là elle est franchement trop moche. Ouh. Vous vous rendez compte, il a dû payer 200 balles pour pécho la plus moche de la boîte. Hein. Et là, 100 balles, mon gars. T'es censé danser, là. Oh merde. T'es en boîte, frère. Non, mais pas avec moi. Pas... Ah ouh. Va te remettre de l'énergie, Kenny. Va te remettre un petit peu de... Ma soeur, mais qu'est-ce que tu fais dans le jeu? C'est ce que j'allais dire. On a une discussion en rentrant, là. Shopping. Voilà, le club est dans 4 heures, donc t'attends de toucher à ta caisse. Touche ta caisse, vas-y, fais ta caisse. Moi, je te conseille, fais ta caisse. Oh, 100$, tranquille. Là, va prendre cher. Oh, putain. Voilà, et là, tu te mets une petite paire de lunettes. Petite coupe, petite paire de lunettes, non? Petite coupe. Haircut. Ah. Oh, bah, on va faire comme Momo. Comment moi? Petit con, moi. C'est ce qu'il faut en plus. T'as beaucoup gagné en look par contre. J'achète un t-shirt? Ouais. Top. Moi j'aime bien celui-là. Celui-là? Celui-là. Vas-y, on met celui-là. Putain, stylé. On va stéroïde. Non! Oh putain, t'as pris 550, il te reste plus. J'espère que t'auras de quoi pécho. Regarde son bras. Il a quoi son bras? Oh, Starfall. Putain, je suis obligé de dormir parce que j'ai plus d'argent. Eh oui, donc tu peux pas aller en boîte. Non! T'as fini. You loser. Je suis nul. Voilà. Bon, en tout cas, les frères et sœurs, j'espère juste que vous avez aimé cette vidéo complètement chelou. N'oubliez pas, tout ce qu'on a dit dans la vidéo ou tout ce qu'on a fait, c'est un but humoristique. C'est de l'humour qu'on se moque. Ah non, c'est vrai. Hein. Non, je rigole, je rigole, dépiche! Tu me donnes des pitchs si je ne lève pas? Oui. D'accord. Bon, ça va, il me donne des pitchs si je ne le frappe pas. Non, parce que je vous explique un petit peu pour que vous compreniez. À l'époque, il se faisait racketter quand il était petit. Et quand quelqu'un voulait racketter, il lui proposait s'il voulait des pitchs. Et la plupart du temps, le mec en face lui disait oui, je veux des pitchs. Alors Kenny lui ramenait des pitchs et du coup, ça évitait que l'autre frappe Kenny. Oui.
Ah, des pitch. C'est bon. Demain, la cour de récré. Oui, pomme. Hein? Pomme. Que pomme? Farinée. C'est le meilleur, c'est plus de qualité, c'est plus tendre. Ça va. Mais en plus, sérieusement, les frères et sœurs, en tout cas, voilà. C'était que de l'humour. Regardez, on se moquait du corps de la meuf au bout d'un moment, mais. Il a pas le corps de Zeus, hein. Comme ma soeur. Non. La grosse. Et moi non plus, hein. Donc voilà, vous inquiétez pas, ça reste juste de l'humour. Oui, la grosse, le maigre, le bougnoul, celui qui a double calvitie. Voilà, vous inquiétez pas, ça reste que de l'humour et on s'en fout, on en rigole. Bref, en tout cas, prenez soin de vous et de la mifa. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et abonnez-vous pour plus de vidéos. C'était le Calviciman et le cure-dent. À très très bientôt. Ciao tout le monde. J'arrivais pas à m'arrêter. Tu m'as fait rigoler, je pouvais pas me retenir. Ciao tout le monde. C'est pas possible. Putain.